Oh non, pas encore. Pas encore. En fait, moi ce qui m'a surpris, on va dire, c'est que les personnes qui ont écouté la mixtape ont souligné qu'elle avait le potentiel d'un album, la direction d'un album. Moi ce que je leur réponds, c'est désolé les gars, je peux pas faire de la merde, j'arrive pas. Donc forcément, je vais souvent donner le maximum, mais je peux pas faire semblant. La musique, moi, c'est un truc qui m'éclate, c'est un truc que je kiffe. Donc je vais pas calculer, me dire bon, ça c'est un morceau plus album, on va le garder pour plus tard. Parce que non, moi j'ai une imagination, j'ai une santé de malade. Tant que j'aurai la santé, je ferai des putains de trucs. Donc l'album, c'est pas pour maintenant. Et justement, par rapport à l'album, les mixtapes qu'on fait aujourd'hui, ça nous pousse justement à monter le niveau, à monter encore le niveau, monter le niveau. Et avec l'aide de Dieu, demain, s'il y a l'album, bah, les gens ne sont pas déçus. Je pense qu'ils ne sont pas déçus. Mais dans tous les cas, jusqu'à l'album, il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein de mixtapes, il y a plein de concerts, plein de shows, il y a trop de trucs à faire. Mais il arrivera, il n'y a pas de soucis. Ah, comme tu sais, on ne bosse pas pour rien. La vérité, et ce que beaucoup de gens se refusent à admettre, c'est que la vérité, c'est la major. Quoi. La vérité, c'est la major. Donc là, aujourd'hui, on est en train de bosser pour ça. Donc moi perso, c'est la signature. Après, c'est monter mon pôle production BS Music, développer dans le futur des artistes, et puis faire un petit bout de chemin, quoi. Mais bon, je compte pas non plus m'éterniser personnellement dans la musique, quoi. Je fais mes affaires, j'ai mes vidéos, tac, ça gère, ça fait des filles, et puis moi je suis là, quoi. Voilà, je les bang, quoi. Et donc, voilà. Bon, en fait, BS Music, c'est un pôle production. En fait, c'est la structure qui produit dans les prod. Pour l'instant, elle est là, sans être là. Je m'occupe personnellement de moi en tant que rappeur. Pour BS Music, on verra plus tard. Mais il faut souligner qu'à chaque fois qu'il y a une prod, peu importe les projets, il y aura toujours marqué BS Music. Mais c'est pas quelque chose qui fonctionne en tant que tel. Ce sera pour les prods à venir un jour. Un projet. Pour l'instant, c'est là, je produis, pour l'instant pour moi, et dans les années à venir, une fois que le boss sera là, une fois que je serai en place, une fois que je serai installé, comme ça, bon, je vais m'attacher avec mon acolyte DJD à développer ce truc. En fait, comme je t'ai dit, la scène, ça, tout est venu résultat de la MDS, quoi. C'est-à-dire que les gens voulaient voir ce que ça donnait sur scène, voulaient voir si on n'était pas face, quoi. Et ils se sont pas trompés en nous invitant un peu à gauche à droite. Et faut savoir aussi que la scène, c'était pas dans les mœurs du rap français. C'est-à-dire que les rappeurs ne se déplaçaient pas, n'allaient pas sur scène. C'est très récent ce qui arrive. Dernièrement, j'étais au concert de Bois. Pas mal, faut le faire, faut y aller, faut mettre ses couilles sur la scène, faut y aller, faut défendre son projet, que ce soit devant les médias, devant une caméra d'un site, peu importe, devant un public, faut y aller. Faut savoir que la scène, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte aussi beaucoup d'argent, c'est une donnée qu'il faut intégrer. Donc si les mecs ils pensent que ils vont passer derrière le mic, le mec il va faire son mixage, qui va presser, qui va mettre ses idées à la fenêtre et qui va faire pod, il se met le doigt dans l'œil, c'est ce que je veux dire. Moi j'ai pas perso, j'ai pas la fibre plus marketing que ça, mais c'est au moins une chose qu'il faut savoir quand on est dans le business, tu vois. Donc perso, bon voilà, moi c'est pour parler de nous on fait des scènes,
On a actuellement à peu près 7 dates là qui sont déjà confirmées. Et je pense que ça va aller de plus en plus, quoi. Il y aura plus en plus. Là on a eu la FDS qui est sortie. Il y a ma mixtape hooligan qui sort le 26. On a encore prévu. Il y a d'autres projets. Solo, il y aura le volume 2 de la hooligan mixtape d'ici un an, je pense. Et sinon, il y a le volume 2 par contre d'Artist House. Il y a aussi la petite Raja qu'on va développer et qui va aussi sortir sa mixtape. Il y a la French Touch qui va sortir aussi. Tout ça avant la fin de l'année. Voilà, il y a du projet. Mais perso, il y a juste ma hooligan mixtape volume 2 d'ici un an. De digérer un peu tout ça. myspace.com/RMA2M officiel. Et sinon, myspace.com/beatstreetmusic BEATSTR2ETZMUSIC. Voilà. Là, vous pouvez trouver tous les renseignements sur moi, sur Diomai, sur le Roumain. Donc, ils sont dans les Friends. Donc vous pouvez découvrir tout l'univers qui va avec. MySpace, c'est génial, MySpace. Fait beaucoup de rencontres. C'est plus accessible. Après, je me jette pas dessus comme un ouf, hein, parce que voilà. Donc moi, ça me sert spécialement pour le boulot, quoi, pour les contacts, tout ça. Parce que, non, c'est un très bon outil de promotion. D'ailleurs, pour la FDS, on avait un système de vente par correspondance via le MySpace, donc c'est très intéressant. Ouais, sans le net, les petits ils meurent. Les indés ils meurent sans le net. Donc c'est une bonne chose. Ah ouais, il faut aller sur balancetothis.com. Vous aurez toutes les infos, une dédicace, nous, RMA2N, Diomai, le Roumain, French Dirty South, vous pouvez encore la choper, Mixtape Hooligan le 26. Allez checker ça, RMA2N en scène, BS Music. RMA2N, Pizzicato, BS to the bomb. Je veux pas faire partie des stats, c'est pour ça que je me tape sur le beat. Je veux voir grandir mes gosses loin d'ici et de la street. Laisser l'arthrite aux autres, je prends ma retraite. RMA de Zen en scène, je veux faire ma vie loin des traîtres et de ces vendus. Car tous ces mecs pourraient être bons. Je pars de ces faux rien qui pour rien pourraient être vendus. Je suis pas de ceux qui glorifient la misère. Je suis né dedans inconsciemment, c'est pour ça que je fais mes prières. Le temps d'un regard mal placé, beaucoup veulent te chlasser. Prends ton blaze et ton flouze comme une meuf sur qui je serais tombé à 12. Boy, j'ai le blues, ouais, jusque dans mes shoes. Le constat est là, faut qu'on s'aille là. On veut du big, du lourd, du vulgate, carat. Pour nos sœurs et nos frères, on leur doit bien ça. Pour nos pères et nos mères, on doit continuer le combat. J'ai plus le temps, mec, j'suis trop pressé. J'ai pris mes beats et mes textes et j'ai tout compressé. J'fais plus la queue, ou bien on commence par la fin. C'est toujours les mêmes refrains, c'est toujours les mêmes qui ont faim. J'ai plus le temps, mec, j'suis trop pressé. J'ai pris mes beats et mes textes et j'ai tout compressé. Je fais plus la queue, ou bien on commence par la fin. C'est toujours les mêmes refrains, c'est toujours les mêmes qui ont faim. Qu'est-ce que tu attends pour réaliser tes rêves les plus fous et aller jusqu'au bout? Qu'est-ce que tu attends pour t'imaginer en haut d'un building et te taper sur le riz?